Nos chers petits français, il s'agit du couple tchèque Lucie Mislivekova et Matez Novak. Alors ils ont, si vous nous avez suivis lors du programme Libre Danse, ils avaient complètement raté malheureusement leur programme libre avec une grosse et une lourde chute lors de leur programme. C'est l'occasion ce soir, lors du gala, de se remettre en selle, de se remettre sur la glace et de se libérer de cette pression et de se faire plaisir. Tchèque Lucie Mislivekova et Matez Novak. Alors, le prochain à s'élancer sur la glace nous intéresse tout particulièrement. Et il s'appelle, j'ai perdu son nom. Ah bah voilà, j'ai perdu son nom. Alors pour ça, on va demander tout simplement à son entraîneur, à Bernard Glesser. Donc, il s'appelle Florent Amodio. Il a fini troisième de la compétition. C'est effectivement son premier podium en Grand Prix international. Donc ben, on lui souhaite bonne continuation. Donc il est du club de Cergy Pontoise, il s'entraîne là-bas. Il a fini 10e des championnats du monde cette année. C'est un réel espoir du patinage français. Oui, tout à fait. Oui. Il était 4e au championnat de France élite senior. Et donc effectivement 10e au championnat du monde. Il est champion de France junior actuellement. Et il s'entraîne au club de Cergy depuis l'âge de 4 ans. Et on va voir son exhibition. Donc après les Brian Joubert et les Alban Préaubert, la relève du patinage artistique français rentre sur la glace aux yeux. En plus c'est le gala, on peut donc s'attendre à un show.